à toutes et à tous, c'est Psylo, je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 7 mai sur la chaîne eSniping pour une nouvelle vidéo qui va vraiment servir, je pense, à beaucoup de monde. Elle m'a été demandée beaucoup de fois, aussi bien à moi qu'à Zach. C'est une vidéo qui va parler du lexique en compétition. C'est-à-dire qu'en compétition, il y a beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, le plus souvent typiquement anglaises, que les gens qui arrivent dans la compétition, ou même certains qui sont là depuis longtemps, n'ont pas forcément idée de ce que cela signifie. Donc c'est pour ça que j'ai pris les mots les plus courants et c'est ceux qui servent le plus en e-sniping pour justement vous expliquer ça. Alors par chance on a eu les définitions officielles par Zach hein, sur le forum qui ont été publiées dans la rubrique chronique de Zach. Et donc je me suis servi de ça, je vais vous lire les définitions on va dire conventionnellement, officielles quoi. Et après je vais essayer d'apporter quelques explications personnelles de manière à ce que vous compreniez un petit peu mieux. Donc avant tout ça, petite présentation du gameplay, je suis en pick-up avec le roster girl Astra. Donc c'est un scrim, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus officiellement e-sniping. Hein. Et donc voilà, je fais une assez grosse partie, c'est pour ça que je vous propose ce gameplay de manière à ce que vous vous embêtiez pas trop pendant que je parle. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, donc voilà, je vais vous lire donc les mots, les définitions, et vous allez, donc après je pense, beaucoup mieux comprendre la compétition et tous les mots. Ah oui, l'information à titre indicatif, tous les mots sont classés par ordre alphabétique. Donc on va commencer tout de suite, alors Ace, le fait de faire un Ace, donc c'est parvenir à tuer l'intégralité de l'équipe ennemie en recherche et destruction, lorsqu'on est tout seul, en gros, on appelle ça aussi clutch. C'est que quand t'es tout seul en SND, que t'as 1, 2, 3, 4 mecs en face, et que t'arrives à faire à assurer tous les kills et que tu gagnes la SND, ça s'appelle un ace ou un clutch. L'aim, A-I-M, ça provient donc du mot anglais, c'est une expression encore typiquement anglaise qui signifie la visée. Et en gros, quand on dit quelqu'un de l'aim, c'est qu'il a une capacité à très très bien viser. Et donc voilà, c'est un point vraiment positif quand on dit quelqu'un a de l'aim. Un backup, enfin un back, on peut dire back ou backup, faire un back ou faire un backup, c'est le fait de parvenir à contourner l'ennemi et de les prendre à revers. Bah, tout simplement, quand vous avez un HP, que vous voulez un spawn et que c'est l'ennemi qui l'a, le seul moyen de l'avoir c'est de les backup, c'est-à-dire de faire tout le tour de la map pour arriver derrière eux et pouvoir les surprendre de derrière eux. Un bomb sight, ça vous allez pouvoir l'entendre dans beaucoup de shootcasts anglais surtout. Bomb site, c'est par exemple bomb site A, bomb site B, bah c'est là où il y a la bombe A, là où il y a la bombe E, tout simplement. Ça peut paraître assez bénin ces mots-là pour certains joueurs, mais pour d'autres, c'est pas forcément si facile de comprendre ça, et comme moi je suis là, même on est là, les sniping, pour satisfaire toute la communauté, je trouve que c'est utile voilà, de faire une vidéo qui peut-être servira pas à certaines personnes, mais qui servira à d'autres, quoi. Enfin vous m'avez compris. Ensuite, le brain. Le brain, c'est un mot qui provient encore une fois de l'anglais, qui signifie, enfin le mot brain en gros veut dire cerveau. Et ça peut être utilisé dans certaines expressions comme le coup de brain, c'est-à-dire qu'en 1v1, vous arrivez par exemple, je sais pas, bon, en HP, vous vous retrouvez face à un gars, vous lui mettez un coup de brain, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus intelligent que lui, vous jouez sur les différents objets qu'il y a sur la map, droite, gauche, allongé, machin, et vous arrivez soit à le surprendre par derrière, ou soit au final à le tuer, donc ça veut dire que vous avez eu plus de brain que lui, donc vous avez été plus intelligent. Le claw, C-L-A-W, excusez-moi, je suis malade, donc c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai un petit peu moins de punch que d'habitude. Donc en claw, donc jouer en claw, c'est donc une façon de tenir sa manette qui est différente de la façon standard, on va dire. Il faut utiliser le majeur pour tirer et lancer des équipements et l'index pour les touches. Ça a été au début beaucoup utilisé par les competitive players. Et ensuite, ça a été adapté au trick shot pour faire beaucoup plus de mouvements en l'air. Et c'est vrai que ça a un certain avantage, mais c'est vraiment très compliqué de jouer en claw. Moi, je connais, enfin, la seule personne en e-sniping que je connais peut-être qui joue en claw, c'est Insane Datsu. Mais ça a un certain avantage. Au moins, on peut faire des gros drop shots et des gros jumps sans pour autant avoir une scuff, quoi. Les corners, donc qu'est-ce qu'un corner, semble à demander une fois sur Twitter en plus. Donc un corner, c'est pas compliqué, c'est un coin. Voilà, c'est quand quelqu'un se cache dans un coin, on dit qu'il est dans un corner, tout simplement. Qu'est-ce que le CTF, ça pareil, il y a peut-être des gens qui le savent pas, en anglais c'est capture the flag, ça veut dire en gros capture de drapeau, c'est la traduction littérale de capture de drapeau en anglais. Diffuse, qui provient de l'anglais désamorcer, en gros quand on dit que quelqu'un diffuse ou qui fuse, fuse ça veut dire qu'il pose, et quand il diffuse ça veut dire qu'il désamorce. Un drop shot, littéralement tir tombé, en gros ce que ça veut dire c'est que tu arrives devant un gars, tu t'allonges et tu le tues, ça s'appelle un drop shot, le fait de s'allonger et de tuer c'est un drop shot, c'est très très connu dans les jeux comme les Call of, ou aussi il y en avait dans les très vieux FPS aussi qu'on fait des cartons, enfin voilà, vous savez ce que ça veut dire un drop shot. Flag,
Mot simple, drapeau, tout simplement. Un flag runner, c'est quelqu'un qui possède le flag à un instant donné. En gros, le flag runner, celui qui le prend et qui l'emmène au spoon, quoi. En gros, qui court. Flag, drapeau, runner, courir, entre guillemets. Enfin, c'est pas la traduction littérale, mais bon, vous avez compris, quoi. Alors, des petites abréviations comme GG ou GL. GG qui veut dire God Game, ça veut dire bien joué, tout simplement. Et GL qui veut dire Good Luck, ça veut dire bonne chance. Si vous voyez des gens qui mettent GG ou GL en nom de clan après ou avant un match, ça veut dire donc Good Game, bien joué, ou bonne chance, Good Luck. Un Head Glitch, donc c'est une position où vous voyez juste la tête du joueur, il est caché derrière un obstacle, un plot, une voiture, tout ça, et vous voyez juste sa tête, c'est très difficile à le jouer. À le tuer, et ça s'appelle donc un head glitch. Le host, H-O-S-T, c'est désigne tout simplement la personne qui a la connexion de la game. Donc quand on dit par exemple, ouais, l'host il est pourri, c'est celui qui a la game qui a une connexion pourrie. Le jump shot qui se fait souvent avec des scuffs ou justement en jouant en close, c'est le fait de. Enfin, traduction littérale, donc c'est tir sauter, et c'est le fait de quand on voit un ennemi de sauter et de tirer en même temps qu'on est en l'air. Ça déstabilise beaucoup en face, c'est plus facile de tuer un ennemi. Les LAN, la traduction littérale c'est Local Areas Network, et entre guillemets, donc c'est des parties en réseau local, donc c'est des parties où les deux teams sont dans le même bâtiment, il n'y a pas de connexion, tout est en réseau local, tout le monde a la même connexion au millième d'octet près, et donc voilà, tout joue sur le skill. Quand on en gros. Le LIG, le Leading Game, qui désigne en gros la personne comme, comment je pourrais dire, comme Rambo dans la NV. Rambo dans la NV, c'est le Leading Game, pardon. C'est celui qui prend toutes les directives en jeu, celui qui parle, et c'est surtout quand on a un Leading Game, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qui sait analyser les situations, celui qui dit, voilà, on est en SND, il y en a deux qui vont là, deux là. Ça, c'est le rôle du Leading Game, très important dans une team. Mate, alors ça c'est pareil, beaucoup de gens ne connaissent pas mate et teammate. Mate en gros c'est un pote. En compétition on dit pas j'ai des joueurs, on dit j'ai pas en LAN avec mes joueurs, non, on dit je vais en LAN avec mes mates ou mes teammates. Mate ça veut dire pote en gros, et teammate bah c'est les potes de ma team quoi en gros. Donc on dit mate et teammate en compétition. Objective player, en gros bah ça c'est les membres de l'équipe qui s'occupent uniquement de tout ce qui est objectif. Par exemple, un objectif player en hardpoint, donc en point strat, c'est quelqu'un qui va aller sur les zones et les prendre. En CTS, c'est celui qui prend le drapeau, et en SND, c'est celui qui pose et désamorce les bombes. Voilà, donc c'est plein de petits mots simples, mais vous allez voir, ça va pas mal vous servir. Ensuite, on passe au mot suivant. ODC, abréviation de One Day Cup, et c'est une compétition qui se dure tout simplement sur un jour. PU Pickup, donc c'est le nom donné aux joueurs qui ne font pas partie du roster mais qui viennent aider en prenant place d'un joueur du roster manquant. Respawn, bah c'est tout simplement là où réapparaissent les ennemis après qu'ils soient morts. Un roster, donc c'est un terme anglais qui peut être traduit par en gros équipe, et un roster c'est souvent une équipe, voilà, un roster de 4, c'est une équipe de 4 quoi, voilà, ça veut dire en gros équipe de 4. Rusher, bah ça c'est courir tout simplement dans le spawn ennemi dès le début de la partie en courant très vite, et en voilà, ça s'appelle rusher, c'est vraiment courir droit devant vous et en ayant le plus de réflexes possible. Un scrim, bah c'est un match amical pour s'entraîner tout simplement, on dit je vais faire un scrim demain, voilà, c'est-à-dire demain je vais faire un match pour m'entraîner. Une scuff, donc c'est une manette modifiée, homologuée dans la majorité des tournois comme MLG, DE et bien sûr e-sniping, ou avec deux palettes en dessous qui remplacent certains boutons de la manette, et ça peut aider pour jump shot ou drop shot. Le shoot, eh ben, c'est tout simplement en anglais tirer. Une personne qui a du shoot, c'est une personne qui arrive à tuer des ennemis beaucoup plus facilement, une personne qui a du shoot, c'est une personne qui tue très facilement et qui a beaucoup d'entraînement au niveau de ça, quoi. Ensuite, un side, par exemple, on dit, on arrive en CTF, tac, oh putain, j'ai le mauvais side, ça veut dire on est du mauvais côté, les gars. Le skill, bah, c'est l'ensemble des compétences et aptitudes d'un joueur, hein, ça rassemble tout, hein, le brain, le shoot, tout ça, c'est vraiment tout, ça rassemble tout. Slayer, c'est celui qui fait le ménage, en gros. Un Slayer, c'est celui qui arrive, qui nettoie les spawns, qui nettoie les zones, qui défonce tout le monde, en gros. Un sneaky, c'est une personne qui désamorce la bombe, on pourrait appeler ça dans le sens un ninja defuse, en gros, donc très furtivement. Et en CTF, c'est quelqu'un qui va dans le camp ennemi, sans se faire remarquer, pour essayer de stopper un flag ou autre, par exemple. SND, donc Search and Destroy, donc recherche et destruction, ça vous l'aurez compris. Spawn Trap, c'est quand t'arrives avec ta team à mettre en place un spawn kill, en gros, c'est-à-dire que les ennemis spawnent dans une zone que tu connais très bien et que tu peux les défoncer quand ils respawnent. Le team kill, c'est quand tu tues un de tes alliés, donc un de tes mates.
TS Team Scream. En gros, c'est l'équivalent de Scream, sauf que tu fais ça en team, pas en mix. Ensuite, un top. Donc un top, ça peut désigner, par exemple, on dit top maison, ça veut dire qu'il est en haut de la maison. Et une team qui est top 1, ça veut dire une team qui est rankée, donc qui est classée dans les, enfin, la première, quoi. Et le dernier mot de cette explication de lexique qui est wallbang. Et wallbang, c'est le fait de tirer à travers les murs. Donc voilà, ça a été une vidéo peut-être un petit peu barbante, mais je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer cette vidéo. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Moi, je reçois des tas de messages sur Twitter. Ouais, ça veut dire quoi? Ça. Au moins, je pourrais leur répondre qu'il y a une vidéo de référence. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'en suis même fortement convaincu. C'était Psylose, hein. N'hésitez pas à vous abonner à l'e-sniping sur Facebook, sur Twitter, ainsi qu'à cette même chaîne YouTube. De vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitter, si vous avez le temps, de lâcher un petit like sur la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo e-sniping. Ciao, ciao!